Alors donc, l'odeur caractéristique de la plupart des fruits est due à l'ester qu'ils contiennent. L'ester contenu dans l'ananas, par exemple, et le butanoate d'éthyle, dont la formule semi-développée est la suivante. Donc, l'ananas, il possède l'ester suivant: CH3, CH2, CH2, C double liaison O, O, CH2, CH3. Alors, ils ont donné le nom 1, 2, 3, 4, c'est butanoate d'éthyle. D'éthyle. Butanoate d'éthyle. Bien sûr, dans l'exercice, ils n'ont pas demandé le nom de cet ester. C'est l'exercice qui a donné le nom. L'ester contenu dans l'ananas, par exemple, est le butanoate d'éthyle, dont la formule semi-développée est la suivante. Donc l'ananas, il contient le butanoate d'éthyle. Alors, données. Ils ont donné grand M. H est égal à 1 gramme par mol. Alors, grand M, c'est 12 grammes par mol. Ils ont donné grand M, O, de l'oxygène, alors 16 grammes par mol. Voilà. Alors, maintenant, on obtient le butanoate d'éthyle en faisant réagir un acide carboxylique A. Donc, A, c'est un acide. A est un acide. Alors, un acide carboxylique A avec un alcool B. Donc, B, il est noté alcool. Alcool. Voilà. L'alcool B en présence d'acide sulfurique selon l'équation suivante. Alors, ils nous ont donné l'équation de la réaction qui s'appelle la réaction d'estérification. Puisque cette réaction, ils synthétisent, donc ils ont donné A plus B donne deux flèches. Alors, ils donnent le CH3, CH2, CH2, C double liaison O, alors O, CH2, CH3, plus H2O. Bon, donc ils ont donné, ça c'est un liquide, ça c'est un liquide, ça aussi c'est un liquide d'après l'exercice, et ça c'est un liquide. Donc A plus B dans CH3, dans l'ester, plus H2O. Alors la première question, citer les caractéristiques de cette réaction. Donc on va donner d'abord son nom. Donc c'est la réaction d'estérification par l'acide. L'acide. Alors, donc, les caractéristiques, alors, sont, deux points, alors, lente, limitée et à terre. Voilà les caractéristiques de cette réaction d'estérification. 1.2. Indiquer la formule semi-développée de chacun des réactifs A et B et les nommer. Alors maintenant, le A. Le A, c'est-à-dire l'acide. A, c'est l'acide. Donc l'acide, c'est la partie gauche. Donc, le radical, c'est H2. Alors, je mets ici H. Voilà l'acide. Donc, la partie gauche, il représente la formule de l'acide. Donc, A, voilà. A pour formule CH3, CH2, CH2,
C, double liaison O, O, et j'ajoute H. Donc vous voyez ici, j'ai ajouté seulement ici AH et j'obtiens la formule de l'acide. Donc cette partie, voilà, cette partie, c'est la partie de l'acide et celle-là, c'est la partie de la base qui provient le radical de l'alcool. Et là, c'est le radical de l'acide. Maintenant, l'alcool. L'alcool B, c'est quoi? C'est CH2CH3 lié à OH. Donc, je peux l'écrire CH2CH3, voilà, OH, ou bien, ou je l'écris CH3CH2OH. Voilà la formule de l'acide et voilà la formule de, la, de l'alcool. Donc, je répète. Voilà la formule de l'acide. On ajoute seulement la H. Et ici, j'ajoute seulement ici H, j'aurai la formule de la, l'alcool. Donc, indiquer la, semi, indiquer la formule semi-développée de chacun des réactifs A et B et les nommer. Les nommer. Alors, maintenant, A, il s'appelle. Donc, A, le nom de A. C'est quoi? Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est un acide. Donc, acide butanoïque. Butanoïque. L'acide butanoïque. Alors, maintenant, le B. Le B, 1, 2, c'est éthane. Donc, éthanol. Éthanol. Donc, l'acide butanoïque et l'éthanol. Alors, deuxièmement, on chauffe par reflux. Donc, deuxièmement, on chauffe par reflux un mélange équimolaire contenant N003 mol de l'acide A et N003 mol de l'alcool B en présence d'acide sulfurique. À l'équilibre chimique, on obtient une masse est égale à 23,2 g de butanoate d'éthyle, c'est-à-dire d'ester. Dressez le tableau d'avancement de l'équation précédente. Donc, dressez le tableau d'avancement de l'équation précédente. Alors, pour dresser le tableau d'avancement, donc, nous avons A, donc de 1, nous avons A plus B, deux flèches, donc E plus H2O. Alors, E, c'est l'ester. Alors, donc, A, c'est l'acide. Et B, c'est l'alcool. Bon, donc, le tableau d'avancement. Donc, ici, T égale à 0, un instant T, T final, et là, si la réaction est totale, total, 0, X, X équilibre, X max. Donc ici, nous avons N0 qui est égal à 0,3 mol, N0 qui est égal à 0,3 mol, ici 0, 0. Alors donc, l'eau n'est pas un solvant, c'est un produit de la réaction. Donc, attention, ne le faites pas en excès. Donc ici c'est N0 moins X, N0
moins x, et là, x, x, n0 moins x équilibre, n0 moins x équilibre, x équilibre, x équilibre, n0 moins x max, n0 moins x max, x max, x max. Alors ça c'est 2,1. 2,2. Calculer la valeur de la constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction. Donc, 2,1. On cherche K. Alors, la définition de K, K est égal QR équilibre. Elle est égale, donc, la concentration de E, de l'ester, concentration de E à l'équilibre, la concentration de H2O à l'équilibre sur la concentration de A à l'équilibre, la concentration de B à l'équilibre. Alors, à quoi est égale la concentration de E? La concentration de E à l'équilibre est égale à la concentration de H2O à l'équilibre. Elle est égale x égale x équilibre divisé par V. Celle-là aussi, x équilibre divisé par V. X équilibre divisé par le volume. La concentration de A à l'équilibre, elle est aussi égale à concentration puisque nous avons un mélange de couleurs molaires. Donc, concentration de B à l'équilibre, elle est égale N0 moins X équilibre sur V pour A, N0 moins X équilibre sur V pour B. Donc, N0 moins X équilibre sur V. Donc, je remplace le K. Alors, s'il vous plaît, Adam, je sais, d'après la question que vous avez posée, ça signifie que vous n'avez pas vu la leçon que j'ai traitée en trois parties. Ça, c'est une répétition. S'il vous plaît, je répète, la concentration dans la réaction d'estérification et d'hydrolyse, d'accord, l'eau, elle figure dans K, parce que l'eau n'est pas en excès. Donc, sa quantité de matière initiale est égale à zéro, parce que celui-là est un acide pur, celui-là est un alcool pur, il n'y a pas d'eau, et on obtient l'ester et on obtient de l'eau. D'accord? Donc, dans la réaction d'estérification et d'hydrolyse, l'eau n'est pas un solvant, donc la concentration de l'eau, il se trouve dans K. Pour les réactions acides-base, qu'on a déjà travaillé, les réactions d'acide-base, l'eau est un solvant. Donc, dans une réaction d'acide-base, l'eau ne figure pas dans l'équation. Donc, vous avez réaction d'un acide, HA plus H2O donne HA- plus H3O plus aqueux, alors celui-là, il est en excès. Donc, le K est égal à la concentration de A- fois la concentration de H3O+, à l'équilibre, divisé par la concentration de HA à l'équilibre. Vous voyez ici, il n'y a pas d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est un solvant. D'accord? Et solvant. Ici, n'est pas un solvant. Elle n'est pas un solvant. Donc, dans la constante d'équilibre, je la répète pour la énième fois, la constante d'équilibre, l'eau figure dans K. Vous avez deux réactions, l'estérification et l'hydrolyse. Et toutes les autres réactions que vous avez étudiées avant ce chapitre-là, c'est-à-dire les réactions acide, base, acide avec l'eau, base avec l'eau et acide avec base, l'eau est un solvant, elle existe déjà, donc K ne figure pas, il n'y a pas de concentration de l'eau. D'accord? Par contre, ici, il y a la concentration de l'eau. Attention, K possède
la concentration de l'eau. Donc, vous avez ici, regardez, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit concentration de l'ester est égal à concentration de l'eau. Est égal à x équilibre sur V. Puis, j'ai écrit ici 0, x, x équilibre, x max. Je n'ai pas écrit excès. Si vous écrivez excès, l'exercice tout entier, Michelic, vous ne pouvez pas avoir même 0,5 points. Alors, maintenant, je remplace. Donc, j'ai K est égal. Alors, x équilibre sur V fois x équilibre sur V divisé par N0 moins x équilibre sur V fois N0 moins x équilibre sur V. Voilà la première, la deuxième. Nous avons ici V fois V, c'est V carré. V fois V, c'est V carré. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste K est égal, alors x équilibre au carré et N0 moins x équilibre, le tout au carré. C'est-à-dire K est égal x équilibre divisé par N0 moins x équilibre, le tout au carré. La voilà, l'expression de K. Alors, maintenant, je dois calculer x équilibre. Alors, pour calculer x équilibre, ils m'ont donné la masse de l'ester. Donc, puisqu'ils m'ont donné la masse de l'ester, alors, ils m'ont donné la masse de l'ester. Donc, la masse de l'ester, elle est égale à combien? Donc, ils nous ont donné, il y a formation d'un ester de masse. Donc, on chauffe à reflux un mélange écumulaire contenant 1,003 mol de l'acide, 0,3 mol de l'alcool. En présence d'acide sulfurique, à l'équilibre chimique, on obtient M est égal à 23,2. Donc, la masse de E à l'équilibre est égale à 23,2 grammes à l'équilibre. Donc, on va calculer la quantité de matière et la quantité de matière de l'ester. Donc, est égal la masse de l'ester, voilà, divisé par la masse molaire de l'ester. Alors maintenant, on cherche la masse molaire de l'ester. Donc, on cherche la masse molaire de l'ester. Donc, je vais effacer le tableau d'avancement. Voilà. Donc, j'ai la formule, alors CH3, voilà l'ester, CH2, CH2, alors C, double liaison O, CH2, CH3. Donc, je donne la formule brute de l'ester. La formule brute, c'est C, HO. Il y a combien d'oxygène? 1, 2. Donc CO2. Il y a combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6. S'il y a 6, multiplié par 2, ça donne 12. Donc l'hydrogène, vous avez 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 3, ça donne 12. Voilà, ça, c'est la formule brute de E. Alors la masse molaire, de E est égale à combien d'atomes de carbone? 6. Donc 6 fois MC, voilà, plus 12 fois MH, alors plus 2 fois MO. Donc ici, nous avons 6 fois 12, plus 12 fois 1, plus 2 fois 16, ça donne 32. Donc en faisant le calcul,
Ça donne 116. 116 grammes par mol. Donc la masse molaire, c'est 116. Donc je calcule la quantité de matière de l'ester. La quantité de matière de l'ester. Donc N de E, elle est égale à la masse de E sur la masse molaire de E. Donc elle est égale à 23,2 divisé par 116 est égal à 0,2 mol. Alors, on a calculé la quantité de matière de l'ester. Et d'après le tableau, d'après le tableau d'avancement, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de E est égale à X équilibre. Donc, il est égal à 0,2 mol. Donc, nous avons X équilibre. Donc, je vais la remplacer ici. Donc, K est égal. Je remplace dans l'expression de K. Donc, l'expression de K. K est égal à X équilibre sur N0 moins X équilibre, le tout au carré. Donc, est égal à 0,2 divisé par 0,3 moins 0,2, le tout au carré. Donc, K est égal à 4. Voilà la valeur de K, la constante d'équilibre. La constante d'équilibre. Alors, 2,3. 2,3, calculer la valeur du rendement R de cette réaction. Alors, 2,3. Donc, on calcule le rendement. Le rendement à l'équilibre, puisque ici, on se trouve à l'équilibre. Donc, on calcule le rendement. Le rendement à l'équilibre. À l'équilibre. Alors, le rendement à l'équilibre. R, il est égal à tout. Il est égal à X équilibre sur X max, direct. Puisque la quantité de matière, il y en a d'après la définition du rendement, nous avons taux, la définition de taux, c'est X équilibre sur X max. Et la définition du rendement R est égale à la quantité de matière de l'ester expérimental divisé par la quantité de matière théorique de l'ester. Donc, est égal à la quantité de matière expérimentale donc divisé par X max. Et puisque nous sommes à l'équilibre, donc le système est à l'équilibre, libre, la quantité de matière expérimentale de l'ester, elle est égale à X équilibre, est égale à la masse de l'ester divisé par la masse molaire de l'ester. Donc, qu'est-ce qu'on déduit ici?
on déduit que R est égal aussi X équilibre sur X max. Donc il est égal à taux. Alors X équilibre c'est 0,2 et X max c'est 0,3. Donc est égal à 2 tiers ou bien 0,67 ou bien 67%. Donc, troisièmement, on refait la même réaction en utilisant n mol de l'acide et n003 mol de l'alcool B avec n supérieur à 0,3. 3.1, comment peut-on augmenter le rendement de cette réaction? Comment peut-on augmenter le rendement de cette réaction? Donc, j'ai expliqué pendant le cours d'hier que pour augmenter le rendement, alors il y a deux méthodes. Donc pour augmenter le rendement, il y a deux méthodes. La première, donc 3.1. Donc on augmente le rendement, on augmente le rendement alors par élimination élimination d'un des produits de la réaction, d'un des produits de la réaction. Réaction, c'est-à-dire l'ester ou l'eau. Alors, la deuxième méthode, c'est utiliser l'un des réactifs en excès. C'est-à-dire, la quantité de matière de l'un doit être supérieure, par exemple, la quantité de matière de l'acide, voilà, supérieur à la quantité de matière de l'alcool ou la quantité de matière de l'alcool supérieur à la quantité de matière de l'acide, l'un des deux. Alors, 3.2, donc ici, dans notre cas, nous avons la quantité de matière de l'acide, donc N, la quantité de matière de l'acide, nous avons N acide, alors N0 acide, il est égal à petit n, il est supérieur à 0,3 mol. Et la quantité de matière de l'alcool, est égal à N0, qui est égal à 0,3 mol. Voilà. Alors donc, quelle doit être la valeur de N à l'équilibre pour obtenir un rendement de 80%? Donc, rendement à l'équilibre. Rendement
à l'équilibre. À l'équilibre. Le rendement à l'équilibre, rho, est égal à taux. À l'équilibre est égal à x équilibre sur x max. Je calcule x max. Alors, x max. Donc, je calcule x équilibre. Je calcule x équilibre. Donc, x équilibre est égal à rho fois x max. Et nous avons x max, il est égal à 0,3. Donc, c'est rho fois n0. Donc, il est égal à 80, c'est-à-dire 80 divisé par 100 multiplié par 0,3 est égal. Donc, 80 divisé par 100, donc 80 fois 0,3 divisé par 100. Donc, est égal à 0,24 mol. 24 mol. Alors maintenant, la constante d'équilibre. Donc, la constante d'équilibre, donc je dois établir un nouveau tableau d'avancement. Donc, un nouveau tableau d'avancement. Donc, nous avons ici l'acide plus l'alcool dans l'ester. L'ester plus H2O. Donc, je vais établir un tableau d'avancement qui est réduit. Voilà. Pour gagner du temps. Voilà. T égale à 0. Et T final, c'est-à-dire équilibre. 0, X équilibre. Alors, donc, 0, X équilibre. Ici, nous avons N. Et là, nous avons N, 0. Et là, nous avons 0, 0. Donc, N moins X équilibre. N, 0 moins X équilibre. X équilibre. X équilibre. Isa, vous êtes toujours en train de discuter les isomères. Je répète, écris ta question sur une feuille, essaye de prendre une photo et essaye de m'envoyer, c'est-à-dire essaye de m'envoyer ta question sur WhatsApp. Je te donne la réponse. Ou bien je vais utiliser le Zoom pour discuter avec vous. Donc, alors maintenant, la constante d'équilibre, K. K, elle est égale. La concentration de l'ester. La concentration de H2O. Alors, équilibre. Regardez. Ester H2O, la concentration de l'acide, la concentration de l'alcool, l'équilibre, équilibre. Donc K est égal à la concentration de l'ester, X équilibre sur V, X équilibre sur V. Donc X équilibre sur V, X équilibre sur V. Alors pour celui-là, c'est N moins X équilibre sur V, pour l'autre N0 moins x équilibre sur v. Voilà, voilà. Donc on va simplifier le v. Qu'est-ce qu'il reste? K. Alors celle-là est égale à 4. Donc j'aurai x équilibre au carré divisé par n moins x équilibre facteur de n0 moins x équilibre est égal à 4. Alors, je déplace celle-là vers le haut. Il contient le n. Donc, je déplace celle-là en haut. Je déplace le 4 ici. Donc, ça donne x équilibre carré divisé par 4 facteur de n0 moins x équilibre est égal à n moins x équilibre.
Maintenant, je remplace x équilibre est égal à 0,24. Donc, x équilibre est égal à 0,24. Donc, je remplace. Donc, n moins 0,24 est égal 0,24 au carré divisé par n0, c'est 4, fois n0, c'est 0,3, moins 0,24. Donc, petit n est égal à 0,24 plus, donc, n moins 0,24 est égal, je calcule celle-là. Alors, donc, celle-là aussi, c'est 0,24. Donc, je trouve n est égal 0,24 plus 0,24. Donc, petit n est égal 0,48 mol. Voilà la valeur de petit n. Donc, c'est la fin de l'exercice. Donc, je répète, si vous avez d'autres questions, essayez de préparer les questions et on va discuter soit WhatsApp, soit en utilisant le Zoom. Je suis à votre disposition. Mais j'ai vu que certains élèves ne sont pas présents. Je marque pour mes élèves, je marque l'absence. Vous faites attention. Chaque séance, je marque l'absence. Alors, les gens qui sont présents, ce sont les gens qui ont posé des questions, ce sont les gens... Alors, ils figurent, c'est-à-dire dans la vidéo. Donc, on va essayer d'avancer. Donc, vous allez essayer de me proposer pour la séance prochaine. Est-ce qu'on va faire un exercice de physique? Si vous voulez, est-ce que je vais faire un exercice pour un autre exercice de chimie organique et des piles? Ou bien un exercice sur la rotation? Deux exercices, un ou deux ou bien trois exercices, parce qu'un exercice, il est long. Donc, on peut traiter même un exercice en 2 heures. Parce que les exercices que j'ai, ce sont des exercices qui englobent le chapitre tout entier. D'accord ? Donc, vous proposez, on travaille la rotation, ou bien je reprends la chute parabolique et le mouvement sur un plan incliné, le mouvement sur un plan horizontal. La chute parabolique, mouvement sur un plan incliné, mouvement sur un plan horizontal et la chute verticale avec frottement. Salam alaikum, layankum, layofukum.